humain. Voilà. On a appris comme passage hier, Bereshit chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, et le verset, on a commencé, on est en direct, c'est bon? C'est bon? Ok, nous saluons les frères et ceux qui nous suivent depuis chez eux. Shalom à vous tous, que le Seigneur notre Père nous garde et que son nom seul soit élevé. Donc Genèse chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 26, Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Faisons l'être humain à notre image. Nous avons vu que le Seigneur va se servir de son image pour pouvoir nous créer. Donc nous avons, comme on l'a vu, deux images aujourd'hui. Et donc on va faire ça. Alors, image. Vous avez ici Yeshua. En français, Jésus. Voilà. Et vous avez ici le serpent. Donc, le diable. Et comme vous le savez, il y a deux chemins. Et il y a la vie, il y a la mort. Il y a la vérité, il y a le mensonge. Et il y a la lumière, il y a la ténèbre au singulier. Et soit vous êtes dans la lumière, soit vous êtes dans la ténèbre. Donc on ne peut pas être au milieu, ça n'existe pas. Et donc l'image que le Seigneur va utiliser, bien évidemment, c'est Yeshua, notre Seigneur, donc Jésus-Christ. On l'a vu dans Colossiens chapitre 1, verset 15. La parole nous dit que Yeshua est l'image de l'Élohim vivant. Donc l'image, c'est la référence, c'est le modèle. Le modèle. Les humains que nous sommes ont besoin des modèles. Et donc, parce qu'on a perdu cette image, la véritable image, donc Yeshua, eh bien, on s'est tourné naturellement vers le diable qui est devenu le modèle de l'humanité, des humains. Alors, faisons l'être humain ici, c'est l'homme et la femme, le mâle et la femelle, le genre humain. D'accord ? Et en tombant dans le péché comme on l'a vu, l'homme et la femme, Adam et Ève et Kava, vont perdre naturellement l'image du Seigneur. Et on a vu hier, on a posé deux questions par rapport à l'image. Qui est cette image et qu'est-ce que l'image en question ? Donc, qui est cette image ? C'est un être, c'est Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce que cette image-là ? Ben, c'est toutes les valeurs spirituelles, les vertus spirituelles, l'amour, la paix, la joie, la bonté, tout ça. L'honnêteté, l'intégrité. Donc Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont perdu à la fois le Seigneur, Yeshua, notre Créateur, notre Maître, et aussi toutes les valeurs qui l'accompagnent, toute sa nature divine, son caractère, son cœur, la douceur, la sanctification, tout ça. Et on a vu que Adam et Ève sont passés par l'école du serpent, dans Genèse chapitre 3, on l'a vu. La Bible nous dit au verset 1er du chapitre 3, « Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme. » Donc là, c'est comme s'ils étaient dans une école. Vous voyez, il y a eu un entretien, un dialogue, un échange, une discussion. Et ce qu'il ne faut jamais faire avec le diable. Jamais il ne faut discuter avec le serpent. Jamais. Et il dit à la femme, « Sûrement Elohim a dit. » Donc, c'est une question très insidieuse. Tu vois, Ève ne pouvait qu'y répondre parce que la manière avec laquelle l'ennemi a posé cette question ne pouvait que pousser. Ève ne pouvait que y répondre. Voyez ? Et alors qu'elle avait le droit, le pouvoir de dire non, je ne parle pas avec toi. Elohim a sûrement dit. Voyez ? Il a affirmé quelque chose, sachant que c'est le mensonge. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent.
La femme répondit au serpent. L'animalité de l'être humain. Voyez, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et que et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon et mauvais. Vous serez comme Elohim. Donc ici, l'ennemi, c'est le gros mensonge de Satan. C'est faire croire à l'humanité, aux humains, qu'ils peuvent devenir Elohim. Vous vous rendez compte? Donc, tu peux, selon le diable, nous pouvons devenir, selon le diable bien sûr, Elohim. C'est complètement faux. Et sachez qu'au ciel, comme vous le savez, Satan voulait devenir Elohim, voulait chasser le créateur de son trône pour prendre sa place. Et comme il n'a pas réussi, une fois qu'il a été chassé du ciel, eh bien, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit qu'il allait corrompre l'humanité sur qui le Seigneur avait mis sa main. Et là, il a été ici le professeur de Ève, de Cava, son professeur, son éducateur, son instructeur. Il a commencé à l'enseigner, le serpent, vous vous rendez compte? Alors que le Seigneur, quand il a créé l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il leur a dit? Faisons l'être humain à notre image, sur notre ressemblance, pour qu'il domine. Et dominer ici, c'est au pluriel, l'homme et la femme. Pour qu'ils dominent. Sur quoi? Sur la création, sur les animaux, tout ça. Et malheureusement, les animaux qui étaient censés être dominés par les humains, l'un d'entre eux, le serpent, va devenir le professeur des humains. Vous vous rendez compte? Donc voilà pourquoi les humains, mes amis, sont devenus des animaux plus dangereux que les bêtes à quatre pattes. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit hier, l'être humain est tellement bestial qu'il détruit son propre habitat, environnement, contrairement aux autres animaux. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, avec les armes nucléaires atomiques que possède l'humanité, par exemple, la Russie a au moins 9000 têtes nucléaires, des ogives, 9000. Ils ont un missile, plusieurs missiles, qu'ils ont nommé Satan, Satan 2. Et si la Russie lâche un seul de ces missiles, ça vous le savez, sur la France, toute la France est détruite. Un seul missile. Et ce comportement meurtrier, destructeur, vous ne le trouverez pas chez les animaux. Non. Donc voyez à quel point nous sommes devenus plus bas, plus dangereux que les chiens, les lions, tout ça. C'est terrible. Donc, s'il y a une troisième guerre mondiale, comme c'est le cas là, pratiquement, là, avec les armes que les humains possèdent, la Russie en a 9000, comme on l'a vu, les États-Unis, au moins 8000 têtes nucléaires, la Chine, à peu près 300, la France, pareil, l'Angleterre, pareil, l'Inde, 50, le Pakistan, au moins 60, Israël ne donne pas de chiffres là-dessus, mais c'est une puissance nucléaire. Et donc s'il y a une guerre là, mes amis, s'ils utilisent toutes les armes qu'ils ont là, la Terre peut être détruite, pulvérisée, littéralement, pulvérisée, au moins 33 fois. Ouais. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut que revenir pour prendre son Église et revenir par la suite pour mettre de l'ordre. Voyez? Vous ne verrez aucun animal pratiquer un avortement. Quand une femelle animale, chienne, tout ça, voilà. Et les animaux amènent jusqu'à terme leur grossesse, ça met bas. Voilà. Mais les humains aujourd'hui sont capables, comme on l'a vu, en Hollande par exemple, les femmes enceintes peuvent avorter même jusqu'à 9 mois pratiquement. C'est-à-dire on va arracher les membre par membre. Hein. Tac, on arrache le bras droit, gauche, tout ça. Voilà, avec des instruments. Il y a des images comme ça.
vous rendez compte? C'est-à-dire, on va te couvrir, on va te payer pour aller tuer ton enfant. Et donc, cette animalité de l'être humain a conduit le monde à la destruction. Parce que l'humain, l'être humain, a deux corps. Il y a le corps physique, qui est un corps animal. On l'a vu dans 1 Corinthiens 15. La parole nous dit qu'il y a un corps animal et un corps spirituel. Et dans les assemblées, comme vous le savez, dans beaucoup d'assemblées, on nous a enseigné, nous-mêmes dans le passé, on l'a fait, que l'homme animal n'a rien à voir avec le chrétien, alors que la Bible affirme le contraire. Tous les humains, qu'ils soient chrétiens ou païens, ont un côté animal. Maintenant, l'homme animal, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 2, ne comprend pas, ne conçoit pas les choses de l'esprit. C'est-à-dire notre nature physique, charnelle, ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est ça, notre côté animal. Maintenant, la différence entre les vrais chrétiens et les inconvertis, c'est que les vrais chrétiens, leur côté animal est dompté par l'esprit du Seigneur et par leur propre esprit qui est soumis à l'esprit du Seigneur. Donc, voilà pourquoi nous avons reçu le don de, ou le fruit de, du contrôle de soi. Le contrôle de soi, c'est le contrôle de notre animalité. C'est ça le don de contrôle de soi. Selon Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, tout ça, et le contrôle de soi. Contrôle de soi, le soi, là, c'est quoi? C'est l'animal qui est en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est les cinq sens. Ce que l'on voit, la langue, les yeux, tout ça. Vous voyez? C'est ça. Donc, avec l'Esprit du Seigneur, on peut contrôler les appétits que nous avons, l'appétit sexuel, toutes ces déviances, là, tout ça. Là. On peut dire, non, là, je ne fais plus. Mais quand on n'est pas dans le Seigneur, celui qui n'est pas dans le Seigneur n'a pas reçu le pouvoir, l'autorité pour contrôler ce côté-là. Et voilà pourquoi les inconvertis laissent libre cours à leur bestialité. Voilà. Ils vont épouser une femme, ils vont en épouser trois, une autre, 4, 5, 6, 7. Voilà. Même ceux qui se disent chrétiens, hein, il y en a beaucoup qui ne le sont pas véritablement. Ce sont juste des adeptes, des gens qui ont fait une adhésion intellectuelle, mais dont le côté naturel, charnel, animal n'est pas contrôlé. Et le côté animal, n'est-ce pas, de l'être humain, Paul a utilisé des termes bien, bien spécifiques. Par exemple, dans Romains chapitre 6, il dit au verset 6, il dit ceci, sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, vous allez voir ici, et la bestialité ou l'animalité, donc l'animalité. Donc, l'animalité de l'être humain égale vieil être humain. Vieil être humain ou vieil homme. Donc, on a préféré utiliser humain parce que ça englobe tout le monde. Voilà. Voilà. Donc, l'animalité de l'être humain égale vieil être humain. Le vieil être humain. Voilà. Ou encore, le corps du péché. D'accord ? Ou encore la chair. Voilà pourquoi il dit ici, sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif. Donc, le chrétien, son animalité, logiquement, est inactive. D'accord ? Et pour qu'elle reste inactive, le chrétien doit constamment porter la croix. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa propre croix tous les jours.
Il a bien précisé sa propre croix, pas celle des autres. Et ce n'est pas de temps à autre. Tous les jours, parce que si on laisse de côté la croix, un jour seulement, notre bestialité va ressurgir. Voilà. Voilà comment beaucoup de chrétiens se retrouvent dans le péché de nouveau dans le péché, dans les choses qu'ils ont vomies, tout ça là. Et s'ils ne confessent pas, ben, ils demeurent dedans et les démons reviennent plus qu'avant. Voyez ? Donc constamment, il faut que notre vieille nature, notre chair, le corps du péché, soit crucifié pour qu'il soit inactif. Donc c'est quelque chose que Satan cherche à activer à chaque fois. Et le corps du péché, l'animalité de l'être humain, peut être activé par la vue. Tu vois un bel homme, tu vois une belle femme, tac, c'est activé. Une parole que tu entends, ça peut activer le corps du péché. Quelqu'un te touche, tu touches quelqu'un, ça peut, par le toucher, tu peux activer ce corps-là. Les caresses, machin. Vous voyez un peu la chose? Ben oui. Tu goûtes quelque chose, ça l'active. Ben oui. Donc, le problème majeur que nous avons, nous, les humains, là, nous, les chrétiens, c'est notre propre animalité. On en sera libéré totalement à la mort physique quand le Seigneur va nous prendre ou lors de l'enlèvement. Là, on aura des corps incorruptibles. Mais pour l'instant, nous traînons ce corps-là avec nous. Qui veut toujours manger, dormir, qui veut être acclamé, qui veut attirer le regard des gens sur lui, qui veut... Parce que c'est un corps qui doit être enterré. Le corps du péché, l'animalité de l'humain, n'est-ce pas, c'est qu'elle doit être enterrée. 1 Corinthiens 15. Voilà pourquoi elle nous tire vers le bas. Voyez ? 1 Corinthiens chapitre 15, regardez, on l'a lu hier, c'est un rappel. Le verset, on commence au verset 42. Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé dans le déshonneur, on ressuscite dans la gloire. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. On est semé corps animal, on est semé ici. Paul s'implique dedans. Donc, vous voyez bien que le corps animal ne concerne pas seulement les païens. Voilà, on est semé. C'est-à-dire, quand on meurt, c'est le corps animal qu'on enterre. On ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Vous voyez ? Et toujours dans Corinthiens, là-bas, on l'a lu, que le corps, l'homme animal, ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc, ça veut dire que vous voyez que les deux corps que nous avons là, le corps animal et le corps spirituel, luttent. Voilà pourquoi Paul dit qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Galates chapitre 5. Galates 5. Regardez le verset 17. Car la chair, alors la chair ici, c'est notre animalité. Quand vous lisez chair, comprenez le corps du péché, comprenez l'animalité de l'être humain, hein, de l'être humain. Comprenez aussi, n'est-ce pas, le vieil être humain, le vieil homme, l'homme adamique, prédisposé au mal. Hein. Et il dit, car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit désire le contraire. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre. Donc il y a une opposition maintenant en nous. Là, ce ne sont pas d'abord les démons. Oui. Les démons, eux, exploitent notre animalité. Parce que comme les démons sont des animaux aussi, on parle du serpent, on parle des scorpions, hein, des esprits de chiens, tout ça. Vous voyez un peu ? Donc du coup, ces esprits impurs s'entendent bien avec notre animalité. Voilà. Vous comprenez un peu? Donc
Ces démons nous envoient des pensées impures, des choses méchantes pour réveiller notre animalité. Et le Seigneur, de son côté, nous envoie son esprit, sa parole pour réveiller notre esprit, notre corps animal, spirituel, pardon. Et Satan, lui, veut réveiller notre corps animal. Le Seigneur veut réveiller le corps spirituel. Donc, on est tiraillé maintenant, là. Vous comprenez un peu maintenant la marche chrétienne? Voilà. Qui comprend mieux les choses? Alors, beaucoup de gens cherchent la délivrance parfois, alors que ils ne sont pas forcément possédés. Ils ont simplement une lutte avec eux-mêmes. Et maintenant, si tu pêches, là, tu appelles les démons. Tu ouvres la porte. Tu comprends maintenant? Donc, l'antenne des démons, c'est notre corps charnel. L'antenne du Seigneur, c'est notre corps spirituel. Quand tu parles en langue, c'est avec ton corps spirituel. Quand tu prophétises, c'est avec ton corps spirituel. Quand tu chantes en esprit, c'est avec ton corps spirituel. Quand tu fais des rêves, c'est avec ton corps spirituel. Vous comprenez? Quand tu fais des visions, tout ça, avec le corps spirituel. Paul parle de l'homme intérieur. C'est un homme qui a la même forme que ton corps physique, qui s'emboîte comme une main s'emboîte dans un gant. Ça a la même forme. Vous comprenez? Maintenant, l'ennemi, lui, il veut activer notre corps charnel pour que notre esprit soit emprisonné. Donc, il y a une lutte. Or, notre corps charnel, notre animalité, est façonné aussi par notre culture, depuis notre naissance, depuis notre conception, l'âme, les paroles méchantes que tu as entendues, toutes les émotions que nos mères nous ont transmises. C'est pour cela que les femmes enceintes, il faut faire attention. Hein? Parce que les émotions négatives, tout ça, là, sont automatiquement transmises à l'enfant. Voilà. Donc le bébé va naître déjà abîmé sur le plan charnel, sur le plan de l'âme. Et son côté animal est déjà abîmé alors qu'il n'a même pas commencé la vie. Voilà. Et maintenant, l'environnement où l'enfant va grandir, s'il voit papa et maman se battre, il voit des conflits, tout ça, pareil, son animalité s'abîme davantage. Et la culture dans laquelle la personne évolue, si cette personne entend toujours « Oh, les blancs sont méchants, oh, les noirs sont méchants, oh, les arabes sont méchants, oh, les métis, les machins, les indiens. » Donc cet enfant va grandir avec beaucoup, beaucoup de destruction, avec beaucoup d'a priori. Voyez, c'est ce que nous sommes. Et voilà comment Satan détruit notre animalité depuis la conception. Et il s'occupe de notre destruction par la formation, par l'éducation qu'on reçoit. Voilà pourquoi la parole nous dit « Instruis l'enfant ». Et littéralement, entraîne l'enfant à l'entrée de sa voie. C'est-à-dire, les parents sont des entraîneurs à l'entrée de la voie des enfants. C'est là, il faut, comme dans un terrain de foot, apprendre, entraîne l'enfant là. Quand il va rentrer dans sa voie, il va avoir une formation, un bon entraînement, parce que le match commence. Vous voyez un peu la chose? C'est pour ça que quand j'entends des gens dire « Oui, je veux bien avoir un enfant avec toi. Tu veux avoir un enfant avec une femme, tu ne l'as même pas épousée. Tu, et tout de suite, si tu parles de l'enfant, l'enfant c'est comme un gâteau qu'on commande comme ça. Oui, c'est une âme. Voyez un peu la chose. Voilà pourquoi vous avez des gens qui ont du mal à... Parce qu'au niveau du caractère, là, ils sont invivables. Mais parce que c'est des animaux qui ne sont pas domptables, qui ne veulent pas que le Seigneur les travaille. Voilà. Côté animal, là, c'est chaud. C'est pour cela, là, Paul dit, hein, il dit, il y a une opposition. Il dit, or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Donc, l'homme animal, notre animalité a des œuvres. Et vous le connaissez. Hein? Que l'on retrouve dans le monde. Hein? Pour vous montrer que le monde, comme on l'a vu hier, est dirigé par des animaux. Le Seigneur a dit, par rapport à Hérode, on l'a vu hier.
allez dire à ce renard. Voilà. Donc vous avez des gens qui étaient dirigés par un renard. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère. Donc, être dans l'adultère, c'est être un animal. Voilà pourquoi les chiens ne peuvent pas être fidèles. Vous comprenez un peu la chose? Cochon, chien, il n'y a pas de fidélité, ça n'existe pas dans ce monde. Hein? Voilà. Un chien peut aller avec sa propre fille. Ce n'est pas un problème. Donc quand vous avez des hommes qui draguent leurs filles, quand vous avez des femmes qui vont avec leurs fils, quand vous avez des cousins, cousines, ça va ensemble, c'est un monde animal. Ce sont des animaux. Parce qu'il n'y a pas de limite. L'adultère. Vous comprenez un peu la chose? Il faut, par les œuvres, on peut définir les gens. Maintenant, toi, tu es prédicateur de l'évangile, tu cours après les animaux pour avoir un soutien financier. Voilà la confusion dans les églises. Tu vas présenter tes projets aux gens du monde pour avoir leur financement. Quelle confusion. C'est comme si Esaïe allait voir Hérode pour présenter ses projets pour que Hérode le soutienne financièrement. C'est comme si Jean-Baptiste allait voir Hérode pour dire, écoute, j'ai reçu une vision, maintenant il y a besoin de financement, je dois construire une église. Et quand on parle, on dit non, il n'y a pas l'amour. Voilà, confusion sur confusion. Vous voulez que je parle? S'il est fatigué, il peut aller se reposer avec là-bas parce que c'est une formation pour adultes, s'il te plaît. Voilà. Julien, il faut. Voilà. Une telle formation, il faut vraiment, on a dit pour adultes, il faut gérer ça aussi. Quoi. Allez un peu là-bas pour que ça va lui faire du bien. Parce que c'est normal à cet âge-là. On peut être un peu. Amen. Vous voyez, c'est terrible, mes amis. Voilà, c'est bien. Ils vont bien s'occuper de toi. Donc l'adultère, la relation sexuelle illicite, pornoïa, c'est-à-dire toutes les déviances sexuelles. C'est ce que l'on voit. Voilà. Vous allez voir un chien, il va grimper sur un homme qui va vouloir coucher avec la jambe du monsieur. Vous n'avez jamais vu ça? Voilà. Donc, vous voyez toutes ces déviations-là. Pornoïa, œuvre de la chair. La chair, là, le corps animal, là. Mes amis. C'est terrible. L'impureté. La luxure sans bride, ça n'a rien à voir avec le luxe. C'est le péché sexuel, mais sans limite. Ah oui, la luxure, ce n'est pas le luxe. Parce que beaucoup qui croyaient que c'était le luxe. Luxure, ça n'a rien à voir avec le luxe. Non, mais non. Non. C'est la licence, c'est la déprévation de mœurs, c'est le péché, mais à un niveau. Voilà. Sans bride, hein. Vous voyez, quand on dit hein, le moteur est bridé, c'est-à-dire le moteur ne peut pas dépasser, ce véhicule ne peut pas dépasser, par exemple, par exemple 90 km/h, donc tu ne peux pas dépasser, tu peux aller au-delà. Et tu peux le débrider pour aller au-delà. Hein, quand on bride quelque chose ou quelqu'un, c'est-à-dire la personne est comme muselée, tout ça. Et là, la luxure sans bride, c'est-à-dire les gens, ils ont, c'est-à-dire le péché sexuel n'a pas, il n'y a plus de limite. Et c'est notre génération. Voilà. La dernière fois, je suis tombé sur un article, une femme qui a épousé un avion. Elle aime tellement les avions que... Non, sérieux, hein, elle a vraiment épousé son avion. Voilà. Elle en est amoureuse. Et d'autres qui vont avec des cadavres. Mais il faut entendre des histoires dans ce monde. On est à la fin. Hein. Donc c'est de la luxure sans bride, il n'y a plus de limite. Voilà. Maintenant, à New York, il y a des femmes qui veulent se balader torse nu. Je crois que c'est déjà le cas. Il y a même des lois qui sont votées pour encourager ça. Vous voyez un peu la chose?
n'y a plus de limite. Bah, vous voyez, l'animalité. Voilà. Vous avez vu les chiennes avec des soutiens-gorge? Ben voilà. Vous voyez bien que la parole est vraie. Hein? Voilà. La parole, elle est vraie, frère. L'idolâtrie. Ben oui, l'idolâtrie, c'est l'animalité. Vous avez vu comment les... Il y a des animaux, là, sans leur maître, là, ils ne vivent plus. Par exemple, les chiens, là. C'est de l'idolâtrie. Vous pensez que le Seigneur, quand il a créé les animaux, il voulait qu'ils s'attachent aux hommes comme ça? Le Seigneur est jaloux. Vous voyez un peu la chose? Ben voilà. Donc, c'est de l'animalité. L'idolâtrie, là. Donc, les idolâtres sont des animaux au regard du Seigneur. Et au ciel, les animaux, les animaux là, bizarres, là, ils ne vont pas rentrer. Le Seigneur dit que dehors les chiens. C'est écrit dans la Bible ou pas? Ben voilà, Apocalypse là-bas. Voilà. Qui est choqué? Qui apprend beaucoup là ce soir? Seigneur, sauve-nous. Alléluia! Donc, quand vous avez affaire à... Pourquoi tu rigoles? Dis-moi un peu. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? Donc, un idolâtre est un animal. Si vous avez affaire à un idolâtre, dites c'est un animal. Et ces animaux, qu'est-ce qu'il faut? On les fuit. Voilà pourquoi la parole dit fuyez l'idolâtrie. Parce que si tu ne fuis pas l'idolâtrie, tu vas être contaminé par l'animalité des idolâtres. Tu vas devenir un animal. Tu comprends maintenant la chose? Seigneur, ouvre notre entendement. Toi, tu ne jures que par ton prêtre. Tu ne jures que par ton pasteur. Hein? Tu veux te marier? Pasteur. Tu veux faire un commerce? Pasteur. Tu veux faire ci? Pasteur. Oh, daddy. Surtout les daddy là. Il faut leur dire. Si vous mourrez comme ça, c'est l'enfer. La parole est claire. N'a appelé personne sur terre notre Père. C'est écrit ou pas? Matthieu 23, 9. C'est écrit. Tu prends la photo de ton pasteur, tu mets ça chez toi, idolâtrie. La photo du pape chez toi, idolâtrie. La photo de Marie chez toi. Qui a pris Marie en photo pour que tu saches si c'est Marie ou pas là? Qui était là? Il y a 2000 ans, il n'y avait pas de photo. Hein? Qui t'a dit qu'elle a des yeux bleus? Vous voulez que je parle? Qui t'a dit qu'elle a des yeux bleus? Quand Moshe, qui t'a dit que Moshe a des yeux bleus comme on voit dans les images là? Moïse. Vous n'avez pas vu que Moïse, quand il a quitté l'Égypte, il est arrivé chez les Madianites? Les filles de Jéthro, dont l'une s'appelait Séphora, Moïse les a aidées. Hein? Parce qu'il y avait des bergers qui ne voulaient pas que ces femmes puissent de l'eau abreuver pour faire boire leur troupeau. Moïse a chassé les bergers, il a fait boire les troupeaux de Jéthro. Et ces filles rentrent plus tôt que prévu. Leur père leur pose la question, pourquoi rentrez-vous si tôt? Elles ont dit quoi? Un Égyptien nous a aidés. Or, à l'époque, les Égyptiens, la plupart étaient noirs. Ah oui? Donc quand ils ont vu Moïse, ils n'ont pas vu un Européen, ils n'ont pas dit un Français, ils ont dit un Africain. Oh Seigneur, sauve-nous. Ça c'est encore un autre enseignement là. On acclame le Seigneur. Alléluia! Et les Égyptiens à l'époque, c'était comme les Éthiopiens. Mais parce qu'il y avait le royaume Nubie, l'Éthiopie, tout ça là, je vous dis. Et le Seigneur dit quoi? Un Éthiopien peut changer sa peau? Ben alors, vous voulez qu'on vous dise les choses de la façon c'est écrit? Hein? On va aller doucement. L'animalité de l'être humain. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Voilà. Seigneur, sauve-nous. Waouh, Yeshua. L'idolâtrie. La sorcellerie. Bah oui.
La sorcellerie. Parce que les sorciers, quand vous parlez avec eux, ils vous disent non, on se transforme en serpent. Voilà pourquoi la sorcellerie fait partie aussi des œuvres de l'animalité, de l'être humain. Parce que ces animaux-là, c'est des animaux sauvages. Hein. Un sorcier, là, s'il veut te bouffer, s'il veut te manger, il veut te sacrifier, là. Si tu n'es pas dans le Seigneur, là, tu vas partir. J'étais où, là à Kinshasa, quand on était en mission, là, au centre hospitalier, pas en quotidien, notre centre hospitalier, j'ai reçu un homme, un jeune homme. Il est venu avec un garçon de 15 ans. Il me dit, voilà, ce garçon, c'est mon neveu, il a tué par la sorcellerie sa mère. Donc je parle avec ce jeune homme, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, oui, mais j'ai été initié à la sorcellerie. Donc je sors de mon corps, je fais des sorties astrales, je fais des sacrifices humains. Je lui dis, comment tu as tué ta mère? Il me dit, ben, on m'a demandé de la sacrifier, et ben, je lui ai donné un coup de massue, mystiquement, elle est décédée. Voilà, et on a mangé son corps spirituel, on a mangé tout ça. Je lui dis, mais tu as mis son esprit, tu as mis ça où? Ah ben, on a mis ça dans une bouteille. Il me dit. Je crois que Julien a prié pour eux, parce que je vais prier pour eux, mais je n'ai pas eu le temps. Et tout ça là. Donc, voyez un peu la chose. C'est-à-dire, dans la sorcellerie, il n'y a pas de... Il y a la haine. La haine. Donc, si... C'est pour cela que c'est une œuvre de la chair, c'est de l'animalité. Comme les animaux, là. Ils peuvent manger leurs propres enfants. Vous avez vu ça, non? Ben oui. C'est pour cela qu'il y a certains animaux, quand ils mettent bas, là, tout ça, là, quand les femelles mettent bas, tout de suite, il faut enlever le petit. Tu enlèves les petits, surtout les porcs, là, les truies, tout ça, parce que ça bouffe leurs petits. Mais c'est exactement ça. C'est un monde animal, c'est le monde dans lequel nous sommes. Quand vous voyez en Autriche, il y a quelques années de cela, cet homme qui avait sécrété sa propre fille pendant 27 ans, il a fait faire plusieurs enfants. Vous avez suivi ça, non? 27 ans. Vous vous rendez compte? Sa propre fille. Voilà les animaux. Donc vous comprenez pourquoi il y a la famine aujourd'hui? Pourquoi le climat ça va plus? C'est l'homme, parce que c'est un animal. On lui confie la gestion d'un globe terrestre, d'une planète en bonne santé. Et l'humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il détruit tout. La forêt en Amazonie, là-bas. Là. Vous avez vu? Il n'y a presque plus d'arbres, là. Pourtant, c'est un des poumons de la Terre. Il y a l'Amazonie et il y a l'Afrique centrale. Les deux poumons de la Terre. Vous vous rendez compte? Eh bien, l'Amazonie, là-bas, ils détruisent tout. Et les Indiens, ben, ils sont en train de perdre leur habitat, leur environnement, où ils trouvaient leurs médicaments parce qu'ils se soignaient par des plantes, tout ça, des herbes. Ben, ils détruisent tout. Pourquoi? Pour planter du maïs, planter tout ça, de céréales, hein, du blé, pour ou encore de palmiers pour avoir l'huile de palme, qui se plantent et détruisent tout. Vous voyez? Du soja, tout ça. Le fric. L'homme est un animal qui veut tellement se faire de l'argent, une invention hein, qu'il a lui-même mise en place, au détriment de sa santé, de son environnement. Il est tellement voilé par la cupidité qu'il anime, qu'il oublie qu'en détruisant son environnement, il se détruit lui-même. Et il détruit également son futur parce qu'il a des enfants, et il va leur léguer un monde détruit. Mais il ne pense qu'à lui, à sa génération. C'est ça l'être humain. Quand vous avez des présidents qui, une fois au pouvoir, deviennent en un temps suffisamment très très, très court, hein, multimilliardaires, et qui continuent quand même à accepter de recevoir de gros salaires, après qu'ils soient plus au pouvoir, après qu'ils soient partis, mais vous vous imaginez la bestialité, alors qu'à côté d'eux, vous avez des enfants de 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 9 ans, qui dorment dans la rue, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de toit. Vous avez des aveugles qui sont réduits à la mendicité, des handicapés qui sont réduits à la mendicité, et vous avez un monsieur qui a plus de 40 milliards d'euros. C'est-à-dire déjà avec un milliard, tu peux vivre sans travailler. Même avec un million, si tu gères bien, tu peux vivre tranquillement toute ta vie. Vous vous rendez compte? La bestialité. Voilà. Voilà.
quand vous avez des gens une fois au pouvoir, vont courir après les femmes, avoir 3, 4, 5 femmes, ministres, avec 9 femmes. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens aient de leurs semblables? Parce qu'ils ne peuvent que piller le pays pour répondre aux besoins de leur conquête. Voilà. Voilà la bestialité. Quand vous avez un président qui a 50 enfants, qu'est-ce que vous voulez que le pays fonctionne? Hein? Voilà. Comme des chiens qui font des enfants partout comme ça. Là. Tac, 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 tac. Aucune maîtrise de soi, aucun contrôle de soi. Donc, leur côté animal est complètement débridé. C'est pour ça que quand parfois j'entends des discours, je dis, ah, ferme-moi, laissez-moi ça, changez-moi de chaîne. Là. Ouais, on va faire tel projet, on a tel... arrêtez-moi tout ça. Là. Celui-là, il a 4 femmes, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Que des beaux discours, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Voilà. Vous avez des pays africains, vous arrivez, l'aéroport, là, c'est même pas des aéroports, là, c'est des aérogares. Voyez, vous dites, mais ça fait 3, 4, 5 ans que tu es au pouvoir, tu as fait quoi? Vous avez des diamants, vous avez tout ce qu'il faut. Vous voyez un peu la chose? Vous voyez, mais on a affaire à des animaux. Et là, on a compris, ça m'a fait comprendre, ce sont des animaux, lis ma parole. Voilà. Voilà. Parce que ce n'est pas possible. L'humain n'est plus leur priorité. Non. Parce que 80% de la richesse mondiale, 80% sont gérés par 5% de la population mondiale. 5%, un groupe d'individus, les grands patrons, qui veulent encore devenir plus riches encore. Vous voyez? Et comme on l'a vu, ce sont souvent ces gens-là qui sont des instigateurs de guerre. Parce que c'est quoi une guerre? C'est des règlements de comptes gérés par des gens qui ne se connaissent pas. Des gens qui ne se connaissent pas s'entretuent pour les intérêts de ceux qui se connaissent et qui ne font jamais la guerre. Qui sont dans leur villa, climatisés, et qui envoient des gens qui ne se connaissent pas, qui vont s'entretuer. Voilà. Vous voyez la bestialité? Des enfants sont égorgés, des femmes sont violées, des gens sont affamés. Voilà le monde dans lequel nous sommes. On peut facilement trouver des médicaments contre le palu. Mais si quelqu'un trouve un antidote, un médicament contre le palu, on va le tuer. Des sociétés pharmaceutiques vont le tuer parce que cette personne va, soi-disant, casser leur marché. Voilà. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Hmm? Des animaux, le Seigneur a dit, ok, je vous ai donné mon image, la référence. Vous n'en voulez pas? Vous préférez l'image du serpent? Ben voilà, voilà ce que ça donne. Voilà. Et le Seigneur a arrêté un jour où il va intervenir ouvertement. Mais pour l'instant, ce sont des animaux qui s'auto-gèrent, qui s'auto-dirigent, et ça donne ça. Et comme je vous l'ai dit hier, il n'y a qu'à voir le comportement de ces animaux sur la route hein, que nous sommes. Hmm? Quelqu'un, vous cédez le passage, il ne cède pas. Voilà. Vous, en fait, vous avez des animaux qui sont dans les véhicules avec des gros cylindrés, hein, qui sont des tueurs. On les voit, non? Tiens, tiens, piou, ça pile. Vous dites, voilà. Il est quelqu'un là, il montre comme ça, ah, regarde, c'est moi, la musique à fond. En fait, quand vous voyez, c'est un animal qui est en action. Vous avez compris ça? On acclame le Seigneur pour sa parole. Et quand tu vois ça là, toi femme, ne crois pas que cet animal là peut t'apporter du bonheur.
parce qu'il veut t'impressionner pour te draguer. Éloigne-toi de cet animal-là. Vous voulez que je parle? Voilà. La musique à fond, yo, man, pantalon baissé comme ça, on voit ton caleçon, un animal, dis à ton voisin, animal. Tu t'étonnes que tu souffres dans ton mariage, tu as épousé une femme qui est un vrai animal, c'est normal? Elle reste pas en place? Elle est constamment en chaleur, c'est normal? On va parler. Ça te trompe avec tous les gars du quartier. C'est normal qu'il t'a poussé à aller. Toi, tu es une brebis du Seigneur. Tu vas épouser une chienne. C'est normal. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est méchant comme ça, il nous insulte. Qui vous a dit quelque chose? La Bible dit qu'il y a des chiens. Est-ce que c'est moi qui le dis? Je ne fais que dire ce que tu écris, non? Si vous voulez m'enfermer, enfermez la Bible. Et vous ne pourrez pas. Parce que cette parole est déjà inscrite dans nos cœurs. Je vous dis, il y a des gens, on les reçoit, quand on les reçoit au bureau, on discute des animaux, on ne se comprend pas. On reçoit des couples, l'homme dit A, la femme dit Z. Je dis, mais en fait, vous êtes deux animaux, vous ne pouvez pas vous. Il n'y a pas de cohabitation, mais vous êtes déjà mariés, c'est fini. Dans la nature, là, vous avez déjà vu un chat se mettre en couple avec une chienne? Ben voilà. Quoi qu'avec le péché, hein, maintenant, c'est. Hein? Alléluia! Vous voulez que je parle encore? L'animalité. Quand le Seigneur nous a touchés, il y avait une sœur, je me rappelle toujours de cette sœur, la Mundeke, elle s'appelait. Le Seigneur lui avait, on était convertis en même temps pratiquement, on était un groupe de jeunes, des enfants. Le Seigneur lui avait donné un don terrible, les yeux. Elle voyait tout presque. Comme ça! Elle avait besoin de fermer les yeux, elle voyait le monde spirituel tel qu'il est, elle voyait les gens tels qu'ils sont. Et elle nous disait, ça c'est un chien, oh, c'est un chien, c'est un canard, oh. Elle avait tellement peur qu'elle a demandé au Seigneur de lui retirer ce don-là. Elle dit, non, je veux plus voir les gens tels qu'ils sont. Voilà, je vous dis. Vous voyez quelqu'un qui vient vous voir comme ça, c'est un bœuf. Vous voyez quelqu'un qui vient comme ça, là, c'est un canard. Hein? Quand il parle, vous entendez la personne parler, mais en fait, c'est autre chose. C'est comme ça que les anges nous voient. C'est comme ça que le Père nous voit. Voilà. C'est pour cela qu'on parle de la nouvelle naissance. Parce que la naissance physique, c'est la naissance animale. Nous naissons comme des animaux. Ben oui. Voilà pourquoi le Seigneur dit quoi? Quand je viendrai, je veux séparer les brebis d'avec les boucs. C'est écrit ou pas? Ben alors, il nous change en brebis. La douceur, les agneaux. Mais il y a des boucs. Les boucs sont têtus. Oh Seigneur. La sorcellerie. Le fait de jeter des sorts, de quitter son corps pour envoûter les autres. Je vois les sorciers même ici. On le sait. Bah oh, les sorciers. Ça, ils sont toujours. Mais d'ailleurs, la mission que leur père leur a donnée, c'est d'aller dans les assemblées. Ça vient, ça laisse ça dehors. Bah oui. On les salue. Bonjour, sorciers. Oh non, Yeshua. Parce qu'on sait qu'ils ne peuvent rien contre nous. Ah non, où est le problème? Ah non. On sait. Un jour au Congo, lors d'une mission, on était en séminaire, une formation biblique comme ce soir. Le Seigneur me dit, il y a une femme sorcière qui est venue avec plus de 10 démons. Et quand elle est arrivée, elle a vu que la gloire du Seigneur, elle a laissé sa sorcellerie dehors avec les démons. Elle est rentrée comme ça, sans corps spirituel. À la fin, elle doit venir te voir pour confesser. Elle dit, tu viens me voir, à la fin, on va prier. À la fin, elle est venue, elle a 23 ans. Elle m'a déjà été initiée. Elle a été initiée à la sorcellerie à l'âge de 9 ans par sa grand-mère qui lui a donné un bout de viande. J'en parle dans mes livres, là. Et de la nuit, sa grand-mère est venue la voir en vision, en songe, pour lui dire « Rends ma viande, le morceau de viande que je te donnais. » Elle dit « Mais grand-mère, mais j'ai déjà mangé. » Elle dit « Mais ça, c'est pas moi. » Elle n'était pas moi.
Ah, mais pardon, grand-mère, ah, mais le propriétaire de cette viande ne pardonne pas. Et c'est comme ça que Satan est venu. Et Satan lui dit, bah, écoute, tu dois me sacrifier quelqu'un. Et c'est comme ça qu'elle a sacrifié son neveu de 9 ans. Tac, il est mort. Et elle a tué beaucoup de gens. Et c'est la fille d'un frère qui prie avec nous. Elle m'a dit, s'il te plaît, n'en parle pas à mon père. Et je n'ai pas parlé jusqu'à aujourd'hui. Jamais dit. Et c'est une sorcière. Mais le Seigneur l'a libérée. On a prié pour elle, la gloire est tombée sur elle, elle a tout vomi, tout ça, tout, elle a reçu le parlant en langue. C'est bon. Elle a dit qu'elle allait dans les assemblées pour être délivrée, les pasteurs voulaient coucher avec. Elle a provoqué des guerres au Congo. Vous vous rendez compte? Elle était loin. Elle dit, non, j'en peux plus. Quand je suis arrivé, là, j'ai vu la gloire, là maintenant, j'abandonne. C'est bon, c'était réglé. Vous voyez? La sorcellerie. Oh. Oh. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit, il ne faut pas dormir avec la colère? Ben oui, parce que le côté animal là, peut être activé. Vous ne voyez pas que quand vous péchez, quand on pêche, quand on fait quelque chose qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, on sent comme un feu étranger. On sent comme si c'est quelque chose de bizarre qui est rentré. On se dit, ça c'est pas, c'est bizarre ça. Vous voyez, non? Ben oui, ben, le corps animal commence à être activé. Parce que par la croix, le Seigneur a rendu ce corps inactif. C'est pour cela que le Paul dit... Prier sans cesse. Parce qu'en priant sans cesse, on va réduire ce corps-là. Voyez? Paul dit dans 1 Corinthiens 9, « Je traite durement mon... » Voilà le côté animal. Il dit « Je le tiens, je le réduis à l'esclavage. » Ben oui. Parfois, comme ça, tu as envie de manger. Tu peux dire « Non, aujourd'hui, je ne gêne pas, mais tu ne manges pas. » C'est moi qui gère, ce n'est pas toi. Voilà. Vous voyez? Le corps animal. Les inimitiés. Problème, tout ça. Les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Donc l'homme animal ne rentrera pas au ciel. Impossible. Voilà pourquoi quand on meurt, là, on prend l'homme animal, on va l'enterrer. Et l'homme spirituel sort. Maintenant, si l'homme spirituel qui sort, l'homme intérieur qui sort à la mort, si cet homme spirituel n'était pas nourri par la parole, ne priait pas, n'était pas sanctifié, la terre s'ouvre, il rentre en bas, c'est l'enfer. Voilà. Si tu priais, si l'homme spirituel priait, craignait le Seigneur, eh bien la mort, son côté animal va être enterré. Le côté spirituel, automatiquement, la voie s'ouvre, l'être intérieur va au ciel. Voilà. Et le corps animal, Paul l'appelle aussi une tente, dans 2 Corinthiens 5. C'est une tente. Vous voyez? Voilà. Et vous allez voir à quel point l'ennemi nous aveugle. Il nous pousse à prendre plus soin de notre tente terrestre qui va être enterrée au lieu de prendre soin de notre esprit. Vous vous rendez compte? On va passer des heures et des heures dans les choses de ce monde, devant les choses de ce monde, et moins de temps avec la parole, avec le Seigneur. On va passer plus de temps avec les amis pour écouter des histoires qu'avec la parole du Seigneur. C'est pour cela que vous devez choisir vos amis. Ne subissez pas l'amitié des gens qui viennent chez vous pour vous parler des choses des autres, tout ça, et qui vous parlent moins de la parole du Seigneur. C'est chaud. Très chaud. Waouh, Seigneur. Et vous avez ici, dans le premier, vous avez un tableau, vous avez ici l'image du Seigneur, c'est l'homme. L'homme spirituel, hein? Voilà. L'homme spirituel. Et là, vous avez les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Et là, vous avez les œuvres de la chair. Voilà.
Il y a une opposition à chaque fois. À chaque fois. Opposition. C'est pour ça que le Seigneur parle de la parole nous façonne. Hein, façonne notre caractère. Tout ça. Parce que pendant des années, je posais la question au Seigneur, mais pourquoi le monde est si méchant? Pourquoi les gens sont... Ben parce que nous avons affaire à des animaux. Des animaux. La parole le dit. Ne jetez pas, le Seigneur dit dans Matthieu 5. Hein, hein, dans Matthieu 7, lisons cette parole, Matthieu. Oh Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne le foulent aux pieds, ne se retournent et que ne vous déchirent. Waouh! Donc ici, on parle des chiens et des pourceaux. Et les démons qui ont été chassés là, de Gadara, là, le démon de Gadara, les démons ont demandé à rentrer où? Dans les pourceaux. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux. Voilà. Donc, le Seigneur dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, aux pourceaux. C'est fort. Hein? Si tu es sanctifié, si tu es chrétien, tu es saint. Tu sais, non? Donc, si tu es saint, tu ne dois pas donner ton corps à un porc, à un chien. Vous comprenez un peu la chose? Voilà. C'est important de souligner ça. Toi, chrétien, chrétienne, tu vas te donner avec un païen. Non, c'est mon mari. Ah bon? Ben, il faut d'abord qu'il devienne saint comme toi. Il faut qu'il se convertisse. Ne donnez pas, c'est un ordre. Donnez pas. Ils vont vous déchirer. On a confié dans le passé, sans qu'on était jeune, on a confié la gestion, j'ai confié la gestion des assemblées aux porcs. Voilà ce que ça a donné, aux chiens. Ils sont retournés, ils ont déchiré. Ils viennent, on veut la formation. Tu lui donnes la formation, il va te tuer après. Voilà pourquoi le Seigneur, il a dit, c'est quand il donnait la formation, il séparait. À la foule, il prêchait la parole. Mais la formation, le dévoilement des mystères du royaume, c'est aux apôtres, dans la maison. Quand il dit, c'est à vous que cela a été donné. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais aux autres, cela ne leur a pas été donné. Il va vous dire, vous voir, frère, je veux que tu me formes. En fait, quand tu entends ça souvent, c'est, donne-moi la connaissance pour que je te tue après. Des porcs. Il y en a un là qui a lu la réunion, un vrai porc. Je l'ai formé, et puis un jour, il vient me dire, papa, le Seigneur m'a montré une vision. Hein? Tu étais mort et c'est moi qui t'ai remplacé. Je dis, toi et moi, là, jusqu'à l'enlèvement. Je ne veux pas mourir avant toi, là. On va partir à l'enlèvement si tu es chrétien. Là. On est ici, là. Face à face. Comment ça, tu veux me remplacer? Tu viens m'annoncer ma mort? Alors que je n'ai pas encore 50 ans aujourd'hui, tu vas annoncer ma mort, là. Frère, mais t'es fou ou quoi là? Toi et moi, là, on est là. Il n'est pas le seul. Hein? Il y en a plein qui sont venus, des porcs. Je vous ai baptisé, vous voulez maintenant m'envoyer au casse-pipe. Pour venir m'enterrer dans un cimetière. Ah, au revoir. Oh. Frère, je dis au Seigneur, longue vie. Alléluia! On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Un autre chien qui a été formé ici est parti au Cameroun. C'est un chien. Mais la parole dit quoi? C'est pas moi qui le dis. Hein? Paul dit dans Philippiens 3, prenez garde aux chiens. Ah ben alors. C'est un chien. Il est parti au Cameroun à mission là-bas. Il commence à gérer l'église là-bas. Et un jour, je suis parti à mission là-bas. Il m'a reçu tout ça, machin. On était chez ses parents.
Il vient me voir et dit, il était tout content. Il dit, ah, il y a une prophétie qui est sortie, mais c'est magnifique. Je lui dis, quelle prophétie? Ah, une sœur a prophétisé, la sœur a prophétisé que tu vas mourir et c'est moi qui vais te remplacer, tout ça. Mais je lui dis, comment les personnes vont me remplacer ici là? Je lui dis, toi et moi, là, même si tu es beaucoup plus jeune que moi, on est là tous ensemble. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je veux raconter la gloire du Seigneur. Tu vas me remplacer où? Donc, cette parole de Matthieu 7 est véritable. Ne donnez pas vos choses saintes aux chiens, ni aux pourceaux. Ils ont tous voulu m'envoyer au casse-pied. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ici, là? Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, donne l'autonomie, fuis, cours des tueurs. Je vous dis. Vous n'avez pas vu dans le monde animal, quand le lion qui domine là, devient vieux. Mais les jeunes commencent à tenter leur chance. Ils vont maintenant, ils disent, non, lui, il a toutes les femmes. Mais heureusement que nous, dans le Seigneur, il n'y a pas tout ça. Hein? Alléluia, gloire au Seigneur. Ils disent, non, lui, il a toutes les femelles hein, du clan de la cité. Hein? Du clan. Il faut maintenant l'attaquer. Ils vont l'attaquer, ils vont essayer. Et si le vieux se fait dominer, vaincre, il va fuir. Mais là, il y a un jeune qui va... Et c'est ça le monde animal, des animaux. On tue les pères. Voilà. Ils ont tué Kakou Saverin. C'est ça la réalité des églises. Quelqu'un à qui tu as donné le biberon. Tu lui as montré où se trouve Matthieu. La page 90, regarde là-bas. Là. Tu lui donnes la vie, tu dis, viens, exaucer. Papa, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas quoi dire. T'inquiète pas, viens, parle pendant 5 minutes, ouvre ta bouche. Et ouvre la bouche, tac, l'onction tombe sur le genou, dit, oh, ça y est, je suis quelqu'un. Celui qui m'a formé, c'est un vieux. On a plus d'onction que lui. Et tu as toujours des idolâtres qui disent, les serviteurs de Satan, vas-y, tu as plus d'onction que lui. Et puis, les épaules, il prend du melon. Toi, il a du melon, tac. Et puis là, on dit, ben, poison. À 3 reprises, j'ai mangé le poison. 2 reprises, 3. Une fois en Afrique, poison. Ah! Le monde animal, l'animalité. C'est terrible, hein? Si on ne te tue pas physiquement, s'il n'arrive pas, ils vont te tuer au niveau du témoignage. Oh, il a engrossé une femme. Oh, il a fait ci, il a fait ça. Ah, je dis, Seigneur, moi! Il a une villa en Suisse, et je suis toujours dans un chalet ici. Et j'ai une villa en Suisse, soi-disant. Là. Les animaux. Hein? Seigneur, sauve-nous. Nous avons tous affaire aux animaux. Hein? Tu prends le train plein d'animaux. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Ça s'engueule. Aïe, pousse-toi. Aïe. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu entends les voisins, ça se bat, l'homme et la femme. Qu'est-ce qui arrive à ce couple? Les animaux. Les pousses. Paul a eu affaire à des animaux. On a vu hier, les Crétois disaient que l'un des prophètes crétois disait les Crétois sont des méchantes bêtes. Vous vous rendez compte? Au Congo, là, les motards, là, plein de motards. Si tu cognes un motard, là, si tu ne tailles pas, ils vont te prendre, ils vont te brûler même vif. Des animaux, là. Ah! Vous voyez? Il y a même des cités ici où la police réfléchit avant d'y aller. Mais je vous dis. Attends. Vous allez aux Antilles, il y a des cités. En Haïti? En Afrique? Aux États-Unis? Chicago? Les gangs? Les animaux? Voilà pourquoi quand le feu
arrive, le feu du Saint-Esprit. Quand le feu arrive, les animaux, ça part. Et là, on voit les gens devenir doux. Ils gardent les séquelles. Ils ont des tatouages. Ça fait peur. Hein. On dit non, il est doux maintenant. Il est tout doux. Tu peux toucher sa main, il n'y a pas de problème. Il est frère maintenant. Il est frère en Christ. Voilà. Il a la nature du Saint-Esprit maintenant. Quand, frère et soeur, une fois j'ai fait la délivrance d'un monsieur. Il devait faire au moins 2 mètres. C'était un géant. Il s'est mis à genoux comme ça. Je prie, je chasse le démon de violence. Il était violent. Je dis, Seigneur, ici, là, si le démon de violence là, agit, si sa chair rentre en action, je suis mal barré. Agit. Et il a attrapé tout doucement ma main que j'avais posée sur sa tête. Il a retiré tout doucement. Je dis, mais l'onction, là, ça fonctionne. Hein? Ça, il y a 20 ans de cela. On acclame le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia! Et quand j'ai vu ça, je dis, ben tiens, ça marche. Hein? Je remets encore ma main. Je dis, écoute-moi, démon. Il remet encore sa main, il attrape doucement, il retire. Et ensuite, je chasse, le démon est sorti. Ah! Vous avez la délivrance de José, non? Lucifer en lui, là. Sa mère le retenait. Ah, ah! Je dis, ici, c'est chaud. C'était en direct. Je dis, Seigneur, si cette grosse bête me donne une gifle ici, je suis mal barré. Frère, là, il y en a qui étaient là qui disaient, oh, Seigneur, agis, oh, agis. Le démon a couru vers moi. Frère, non. Tous ces animaux sont soumis au lion de la tribu de Juda. Alléluia! 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 Wouh! Aïe, 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 aïe. Il est là. Il est là. Wouh! Il est là ce soir. Alléluia, alléluia. Oh! Wouh! Il est là. Le lion de Juda. Oh! Le maître. Le maître porte et leve la tête volento que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Yehoshua Amashiach. Oh, ya, il est là. Accueillons-le. Wow. Nous t'accueillons. Nous nous inclinons devant ta majesté. Parce que tu as vaincu Satan. Tu as vaincu le serpent ancien. Tu as vaincu le dragon rouge feu. Tu as vaincu les scorpions. Tu as écrasé la tête du serpent ancien. Et ce n'est plus le diable qui est notre enseignant. C'est son excellence, le Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit de gloire. Ouf. 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 Ouf, Seigneur. Le lion qui est le roi de la savane, le roi de la forêt, c'est notre maître. Quand il rugit, tous les animaux qui nous attaquent plient les genoux. La parole est claire. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou, oh alléluia, tout genou, dis bien tout genou, fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, même les langues de serpents qui nous attaquent, les langues de vipères, confessent que Jésus, Yeshua, est Seigneur à la gloire du Père. Et ce soir, nous voulons rappeler à l'ennemi qu'il a été vaincu. Nous voulons le rappeler que le sang de Yeshua a coulé. Oh, alléluia. Nous n'allons pas tomber dans le péché. Jamais. Notre animalité a été vaincue. Crucifié à la croix.
au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Colère, tu as été vaincu. Gloutonnerie, tu as été vaincu. La peur, tu as été vaincu. La mort, tu as été vaincu. Sida, vaincu. Cancer, vaincu. La mort, vaincu. La maladie, vaincu. L'idolâtrie, vaincu. Les satanistes, vaincu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur fait remporter la victoire à ses enfants. Il te fait remporter la victoire. Face à ce combat, tu vas remporter la victoire, la sanctification. Ta famille va remporter la victoire, jeune homme, jeune femme. Oui, c'est une parole pour toi. Il t'a placé dans ta famille pour confondre l'ennemi, pour confondre les ténèbres. Il t'a positionné là, au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ta seigneurie, Seigneur Yeshua. Oh, alléluia. Ce n'est pas une question d'âge. Tu es jeune, oui. Le Seigneur va se servir de toi pour allumer le feu. Là où tu es à l'école, partout au travail, pour allumer le feu du réveil. Tes amis vont être touchés de plus en plus. Ouvre ta bouche et tu verras la gloire du Seigneur, au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Il réveille nos corps spirituels. Car l'enlèvement, c'est pour bientôt. Il réveille nos corps spirituels. Oh, alléluia. L'ennemi se sert de tes proches pour te décourager. Mais tu es un guerrier du Seigneur. Tu es un combattant du Seigneur. Tu es un guerrier du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu n'abandonneras pas le combat. Parce que tu es son soldat. Tu es son soldat équipé par le Saint-Esprit. La vérité que tu as entendue, personne ne peut te l'arracher. Personne ne peut t'empêcher de parler. Personne ne peut t'interdire de parler. On a Yeshua. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour le feu du réveil. Merci pour la consécration. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Magnifique Seigneur. Nous prenons autorité sur les puissances démoniaques qui attaquent nos familles, nos enfants. Au nom de Yeshua, vous avez été vaincus. Nous allons servir le Seigneur avec nos familles. Oh, alléluia. Le même esprit qui a dirigé Noé. Noah, c'est le même esprit que nous avons. Au nom de Yeshua. L'esprit qui a conduit Jonas. C'est le même esprit qui nous conduit. Ils ont remporté les victoires. Nous remporterons la victoire. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Ce soir, il renouvelle, le Seigneur renouvelle tes dons spirituels. Il renouvelle ta vie de prière. Il renouvelle ton engagement. Au nom de Yeshua. Il renouvelle ta consécration. L'épée que tu as reçue. Au nom de Yeshua. Sanctification plus plus. Sanctification plus plus. Sanctification plus plus. Au nom de Yeshua, plus plus. Plus plus, ma fille. Plus plus. Au nom de Yeshua. Oh Père. Il t'aime le Seigneur. Au nom de Yeshua. Oh alléluia. Père, merci. 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 Il t'aime. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh alléluia. 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 Oh alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ma sœur. Merci pour ta main sur sa vie. Qu'elle soit complètement, Seigneur, remplie de ton feu. De ton feu. De ton feu. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Qu'elle soit guérie, Seigneur. Guérie, Seigneur. Guérie. Au nom de Yeshua. Guérie. 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 Il y a un esprit de serpent qui quitte un corps ce soir. Il y a un serpent qui est là, qui t'embête. Je te chasse, toi serpent. Tu as été vaincu. Je te chasse de ce corps. Tu sors 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 de ma soeur. Tu sors de sa vie. Tu t'en vas et ne reviens plus jamais. Je te chasse définitivement. Va-t'en. Va-t'en. Voilà. Sors de là. Sors de là. Maintenant. Sors de là. Sors d'elle. Sors, serpent. Voilà, sors. Sors. Au nom de Yeshua, voilà, sors, 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 quitte-la, 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 je dis quitte-la, voilà. La mort s'en va là. Il y a un démon qui s'en va là, ma soeur, tu vois. Tu souffres beaucoup. Cet esprit de mort qu'on a envoyé contre toi pour te tuer s'en va. Voilà, quitte-la, 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 au nom de Yeshua, quitte-la, 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 voilà. C'est de la sorcellerie familiale. On veut te sacrifier. Tu n'en peux plus. Tous ces combats, tu n'en peux plus. Toutes les portes comme ça semblent fermées. Et le Seigneur brise la maladie, brise la mort. Au nom de Yeshua.
Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce démon s'en va définitivement. Ce démon là te quitte définitivement. Je dis bien là, au niveau de ton ventre là. Cette chose qui est là, là. Tu l'as vomi aujourd'hui. Tu l'as vomi définitivement au nom de Yeshua. Alléluia. Oh alléluia. Ce péché s'en va définitivement au nom de Yeshua. Tu es vivant. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Wow. Magnifique Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est magnifique. Tu vois, c'est ton jour, le jour de ta délivrance. Au nom de Yeshua, seul le Seigneur peut te libérer, te guérir. C'est la réponse à tes prières. Le Seigneur, ce soir, te libère, te guérit. Au nom de Yeshua. Alléluia. Magnifique Père. Amen. Voilà. Il a vaincu. Donc le royaume qui vient, le royaume de 1000 ans, c'est un royaume des brebis. Voilà. Et Esaïe nous dit, le loup vous pourra paître avec les agneaux. Donc plus d'agressivité, plus de méchanceté. Le Seigneur va enlever définitivement l'animalité de l'être humain. Et là, la paix, la joie. Qui n'a pas encore reçu son baptême ? Par immersion. Le Seigneur t'attend. Tu vois, non? Il t'attend. On ne s'est jamais vu. Non. Voilà. Viens, je vais prier pour toi. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur veut changer ton histoire complètement. Complètement. Je t'ai vu signer des documents. Il va changer ton histoire. Mais il faut que tu pries beaucoup. Waouh, Seigneur. On lui remet un passeport. Le Seigneur est vraiment fidèle. Il veut que tu parles de sa part, que tu t'occupes des pauvres. Au nom de Yeshua. Oh, Seigneur. Oh, Père. Oh. Oh. Oh, tu es vivant. Que la mort s'en aille de ce corps au nom de Yeshua, que la mort te quitte maintenant. Vous qui voulez la tuer, vous n'allez pas y arriver. Au nom de Yeshua, fini votre règne. Fini. Waouh. Et qu'est-ce que tu attends pour prendre ton baptême? Chez les catholiques, mais c'est dans l'eau maintenant qu'il faut prendre ton baptême. Le baptême biblique, par immersion. Tu vois, non? Quand tu, si tu le veux, on va te baptiser au nom de Yeshua. Gloire au Seigneur. Voilà. Et ça va? Comment tu te sens, ma soeur? Oh, ça va, hein? Le Seigneur t'aime. Hein? Tu vois, le Seigneur, il est le seul qui peut vraiment te soutenir, t'aider. Waouh. Vous êtes c'est ton ami? Waouh. Tiens, viens, je vais prier pour toi. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Ouais. Je suis venue ici. Ouais. Je suis venue d'ailleurs avec le frère Georges. D'accord. Qui m'avait amené ici. D'accord. Et je suis tombée malade après. Wow. J'ai quitté mon travail, mais je pense qu'il fallait que je quitte mon travail parce que il a fait pour moi en peu de temps ce que je n'aurais jamais pensé faire. Wow. En fait, il a répondu à toutes mes prières. Et j'hésitais à quitter mon travail. Je suis tombée malade, au fait, parce qu'il a réservé de très belles choses pour moi. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que quand vous avez prié pour moi, vous m'avez dit, au fait, vos problèmes sont réglés. Mm-hmm. Et au fond de moi, je me suis dit, mais c'est aussi simple que ça. Mm-hmm. Et ce qui m'a étonnée, c'était aussi simple que ça. C'est ça. En fait, je crois qu'on complique les choses et je me suis toujours dit, mais je ne savais pas que Dieu était simple. C'est ce qui m'a vraiment choqué. Du coup, mon ami souffrait beaucoup. Je me suis dit, en fait, c'est un trésor que j'ai découvert et un trésor, ça se partage. Wow. Donc, très bien, alléluia. Waouh. Amenez les livres. Waouh. Il y a un cadeau pour toi. En fait,
c'est réglé et le Seigneur va te faire mettre en place une association pour s'occuper des gens dans plusieurs pays. Et je te vois distribuer du pain. Du pain, je vois des enfants qui tendent la main comme ça et tu es en train de les nourrir. Je voulais mettre en place justement. Voilà. Bah, il confirme. Le Seigneur est magnifique, hein? Voilà. Eh ben, c'est réglé. Ce qui m'a touché, c'est le fait de dire, je ne pensais pas que le Seigneur était si simple. On se complique la vie. Oh, il faut faire 3 jours de jeûne à sec. Il faut faire les neuvaines, les quarantaines, les millaines. Je sais pas. Si tu crois, tu verras la gloire d'Elohim. Aussi simple. Donc, on va donner d'autres livres aux gens qui veulent une Bible, mais pas pour. Mais vraiment des gens qui veulent lire la parole du Seigneur et qui. Voilà. Donc, toi, on va parler avec toi à la fin. D'accord? Ok, là-bas. Gloire au Seigneur. Les 3 enfants, là, venez. Vous 3. Venez un peu, là, on va prier pour vous. Ça se passe bien là-bas, l'école? À l'école, ça se passe bien? Oh, c'est bien. C'est bien. Vous aimez le Seigneur, hein? Très bien, très bien. Très bien. Seigneur, merci. Oh Seigneur, garde ces enfants. Garde-les. Au nom de Yeshua. Garde-la, Seigneur, Père, au nom de Yeshua, le Seigneur sauveur. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Voilà, c'est bon. Les livres. Ok. Ben, ceux qui veulent le livre à la fin, ben, venez nous voir. Sinon, on a fini. Que le Seigneur soit béni. Bonne continuation et à lui seul la gloire.